Tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de piège sur Minecraft. Donc, je suis accompagné de Kiatos. Salut. Donc, aujourd'hui, je vais vous faire un piège. Bon, ça, c'est la base, c'est mon ancien piège. Bref, j'ai essayé d'autres trucs, mais voilà, c'est ça que je vous montrais. Donc, il m'a entre guillemets un peu aidé parce que j'étais bloqué à un endroit et j'arrivais pas à le faire. Je savais pas comment faire et il me l'a dit. Donc, c'est un peu, on est un peu les deux créateurs. Donc, vous voyez, c'est une allée normale comme toutes les autres. Comme toutes les autres, Comme mais toutes les oui, autres, oui, normal. enfin presque. Et donc, il y a la seule entrée, et imaginons tout est claim comme d'habitude. Et la seule sortie, elle est là-bas parce qu'il n'y a pas d'autre truc. Bref, on avance tranquillement. Et oh! Oh! Oh non, de la lave! Oh non, oh non! Et on peut plus bouger parce que tout est claim et on meurt dans d'atroces souffrances. Ça dépend si tu as une potion de résistance au feu ou pas. Voilà, c'est ça. Si tu as une potion de résistance au feu, ça va, t'as Donc pas de on problème. meurt, mais ça. En fait, je voulais faire ça avec de l'eau. Mais c'est con parce que l'eau, tu peux remonter. Non? Ah non. Il y a le piston qui bloque. Ah bah non, ah bah non, non, j'en ai. Donc voilà, donc. What? Bref, donc le problème avec la lave, c'est que ça détruit Au le pire, piège. si tu mets un entonnoir, je sais pas si ça tombe dans l'entonnoir ou pas. Ça va le détruire. Peut-être pas avant, je sais pas. Bref. Donc on va remettre tout ça. Donc on va aller là. Hop, on va prendre ça. Donc c'est un piège comme tous les autres qui sont à l'infini, mais ça détruit des trucs quoi. En gros, si c'est de la lave, alors que si c'est de l'eau, on pourrait se noyer. Sauf que ça va aussi détruire le fil et tout. Ou après on peut rester bloqué et toi t'es mort. On peut rester bloqué et C'était magnifique quand même. Attendez, attendez, j'ai peut-être une idée. Si on reste bloqué, qu'est-ce qui se passe? On reste bloqué, on meurt de faim. Ou alors il y a aussi ça qui est une technique plutôt basique. Donc j'ai fait tout un truc, hein. C'est pas pareil que la dernière fois, comme vous pouvez le constater. La dernière fois, il y avait qu'un seul, ça bloquait qu'une seule fois, mais là j'ai préféré bloquer avec deux trucs parce que je trouvais ça plus stylé. Voilà, on va reprendre un petit bloc d'orange. Donc je trouve que le piège il est assez sympa. Qu'en penses-tu, toi? J'en pense que je suis encore mort. Mais je pense que Oui, c'est donc il pas n'y a pas drôle. d'explosion, donc ça c'est C'est cool. pas drôle. C'est pas drôle. Donc ce piège, on refait ça et en gros, ça s'évite de se faire assaut, quoi. Par exemple, si on est sur un round fight, comme ça. Allez, descends! Je peux retourner. Voilà. Donc j'ai pas posé le fil. Donc il y a la lave qui tombe et on va vous expliquer. Enfin, je vais vous expliquer le ciel. Je remets pas le fil, ça m'évite de... Et là, ça m'évite de refaire des conneries. Donc je vais vous expliquer le système vite fait. Je vais pas vous expliquer comment faut le faire, mais je vais vous montrer. Donc hop hop hop, voilà. Donc en fait le fil là, en fait j'ai posé une torche là pour que ça soit activé et que ça active le piston et que la lave qui est juste là ne tombe pas grâce au piston en fait. Et quand on va passer au niveau du fil, ça va s'éteindre et la lave va pâcher. Va, Et oula, va pâcher. Elle va va pâcher. passer. C'est pas cher. Pas cher, pas cher. Et donc tout ça, c'est relié. Devinez ce qu'il y a derrière ça. Il y a le petit crochet en fait que je viens de casser. Donc il y a le petit crochet qu'on a posé tout à l'heure. Donc en gros, c'est ça le système. C'est que tout est relié au petit crochet. Donc c'est relié au petit crochet et ça descend ici pour activer les deux pistons là, en fin de compte. En fait, ça va activer le piston du dessous et ce chemin-là va activer celui-là. Et pareil de l'autre côté, sauf que c'est dans l'autre sens, je vais vous montrer vite fait. Hop, hop. Donc le piège est assez sympa, mais il y a beaucoup de choses pour pas grand-chose en fait. Quand vous y pensez, parce que si on est sur un fight, on récupère pas le stuff, par exemple. Allez, pause. Donc ce piège est bien, mais... Juste tombé de côté. Ce piège est bien, mais pour récupérer le stuff, je vous ferai des vidéos pour récupérer le stuff. Hein. Bah, de toute façon, il y a un truc, il n'y a rien de compliqué, ça sera sûrement le prochain piège. Ah bah, pourquoi je le rebouche? Faut que j'y retourne. Et de l'autre côté, bah, c'est exactement pareil, quoi. Les deux côtés, c'est pareil, sauf que c'est à l'opposé. Voilà. Moi aussi, c'est pareil. Regardez, là, s'accrocher à là, l'autre côté, pareil.
Donc là, c'est le couloir. Donc imaginez qu'il y a une fac derrière et que vous voulez pas qu'il rentre. Blablabla, blablabla, blablabla. Il y a quelque chose là-dessus. Donc là, c'est pareil que ça, mais dans le sens inverse en fait. Au lieu de partir à droite, ça part à gauche. Bon, je crois que j'ai tout dit là. Non? Si? Bon, ok, le mec normal. Je suis passé, il m'a TP, j'ai récupéré de la monnaie. Bon, en tout cas, j'espère que ce piège vous aura plu. Je vais remonter. Ah oui, si jamais j'ai fait l'erreur la première fois, j'avais posé un bloc là justement. Ah oui, j'avais posé un bloc là, sauf que le piston quand il va être tiré, il va prendre le bloc, donc la lave va pas passer forcément. Donc ici il faut faire un trou. Je sais pas si je l'avais mis, j'ai pas dû lire ça. Donc on va refaire le piège un petit coup, mais je peux plus avancer. Ah, d'accord. Donc c'est un piège assez sympa, mais je vous dis, moi je fais, en fait je vois les choses en grand pour rien quoi. En gros c'est ça, j'aurais pu tout simplement faire un mini piège tout basique. Non, non, faut que je me complique la tête. Il y a un golem de fer. On va le noter. Regardez l'épée de malade tranchant 4, puissance 4, kill 2, aura de feu 2. Je me suis éclaté à la faire. Enfin, c'était pas compliqué, j'ai pris des livres enchantés. J'aurais un piège à vous montrer, mais je ne sais pas du tout le faire. Et c'est résistant ces putains d'enfoirés, mais crève! J'avais gagné un petit peu de Bon. stack. Oui, parce que le... je resterai sur cette map là pour faire les pièges, je pense. Donc, franchement, c'est beaucoup de choses pour rien en fin de compte. Mais bon, c'est mieux que. C'est des pièges comme ça pour le faire. Donc, on se refait une petite fois. Voilà. Je suis une personne normale. Je me balade dans la. What the fuck? What? Ok. Me tape des. Ah ouais, c'est pas mal ça. Je sais pas, j'ai pas compris pourquoi le kiff du piston qui où les blocs, il y en a qu'un seul qui redescend en fait. Et celui-là, pas du tout. J'ai pas compris le kiff, j'ai pas réussi à régler ça. Bref, en tout cas, j'espère que ce piège vous aura plu. Ce piège chien vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à celle de lui, là, de cette chose qui ne ressemble à rien. Je parle de Oh, toi. merci, c'est sympa. De rien. Toujours plaisir. Et donc, bah, partagez cette vidéo avec vos amis. Donc, je vous dis à la prochaine. Si vous voulez que je fasse, d'ailleurs, pendant que j'y pense, si vous voulez que je fasse des vidéos où j'explique les pièges, justement, dites-le moi. Hein, je n'hésiterai pas à le faire. Et donc, je vous dis à la prochaine pour un nouveau piège. Allez, salut! Salut.